Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فنحن دخلنا في ذو الحجة، وقبلها كانت ذو القعدة، وبعد ذو الحجة محرم. ولماذا يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات وليس شهر معلوم؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم ثلاثة أشهر: ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، وبعد ذلك في السابعة رجب. ومن حكمة هذا التحريم أن الناس كانوا يمشون إلى الحج في ذو القعدة، فبسبب حرمة هذا الشهر ما كان يسير بينهم حروب، فكانت الأمن للحج. وبعد ذلك يمكثون في الحج، وعند العودة في محرم يأخذهم شهر أو ما يقارب ذلك، فهم يعودون بالسلامة وبالأمن. فقال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. Je disais, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le Hajj, il est dans des mois bien précis. C'est dans Sourate Baqara. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans des mois bien précis alors que le Hajj, c'est une dizaine de jours? Mais la sagesse qu'il y a dedans, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit le Hajj, il est dans des mois bien précis. C'est-à-dire qu'il y a trois mois qu'Allah il a rendu sacré. Dhul-Qi'da, d'où on est sorti, Dhul-Hijja, le mois dans lequel on est, et Muharram, le mois dans lequel on va rentrer, le premier mois du calendrier lunaire. Et Allah, il les a rendus sacrés avec une sagesse, c'est que ceux qui partaient pour le pèlerinage auparavant, ils faisaient des longs voyages. Il y a même des gens qui prenaient un an pour aller au Hajj, ou qui partaient en bateau, ou qui partaient en monture. Donc ils avaient un mois de paix, où il n'y avait pas de guerre. Ils pouvaient y aller en tranquillité. Après, ils faisaient le Hajj, et ils avaient un mois aussi de paix où ils pouvaient retourner sans qu'ils soient en guerre ou qu'ils soient en danger. Donc ça, c'est parmi les sagesses qu'il y a dedans. Et Allah spontané nous a fait rentrer dans ce mois-là. Il y a une grande bénédiction dans le mois. Et le quatrième mois qui est sacré dans l'islam, c'est le mois de Rajab, c'est le septième mois. Al-mu'min yakun haris ala al-khayr. لأنه يعلم أن هذه الحياة فرصة واحدة وبعد الخروج منها لا يمكن له العيادة فيها وقال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت أي لا يمكن لك فهذا حال المؤمن الذي كان عنده بعض الأعمال صالحة ولكن لم يتمها مثل الحج كم من الناس لم يحجوا فلما يدخل في البرزخ ويدخل في الآخرة يتمنى العودة ليكمل ما كان يغفل عنه آنفا فيقال له كلا أي لا يمكن. Donc je disais que ces mois, c'est des mois sacrés. Et le croyant, il doit être haris ala al-khayr, il doit faire attention, il doit être attentif aux bonnes œuvres, parce qu'il sait qu'il n'a qu'une occasion. Et qu'Allah nous a déjà dit que beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes, quand ils vont partir et qu'ils vont arriver de l'autre côté, ils vont dire: Oh Allah, fais-moi revenir pour que je fasse des bonnes actions parmi celles que j'ai laissées. Et il lui sera dit qu'elle-là, impossible. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, ça c'est le croyant, c'est pas le mécréant. Les gens disent, ouais, mais ça ce verset, c'est pour le mécréant. Il a dit, non, ça c'est pour le croyant.
Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Pour que je fasse des bonnes actions de celles que j'ai laissées. Et les croyants, beaucoup, ils ont laissé beaucoup de bonnes actions. Comme le hajj, par exemple. Kathir minna lam yahuj. Beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas fait le hajj. Pourtant, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Bana baytan. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma'na al-hadith. Kullu bina wa bal ala ibn Adam ou ala sahibihi yom al-qiyama. Illa ma la, illa ma la, illa ma la buddha min. Fa kim minna. بنينا بيوت أو قصور أنا سافرت إلى بعض البلدان وعجبا هذا يعيش في فرنسا في F3 أو مكان ضيق أما في البلاد لا حول ولا قوة إلا بالله عنده دوزيام إتاج سطح وحديقة و و و ولكن لم يحج وكذلك كم منا اشترينا سيارات فخمة جميلات جديدات ولكن لم يحج وكم منا تزوجنا زواج الملوك ينفق ويأخذ دين ويأخذ السيارة بالحجرة وصاحب الدربكة موجود والدي جي موجود والتريتور موجود ويدخل في زواجه وهو عليه الديون فذات يوم ينظر إلى زوجته ويقول في نفسه هذه كانت غالية هذه أخذت مني يخذ الأسد فهي تقول أنت تتفكر في نعم أتفكر فيك فأين البركة بعد ذلك ولكن الحج إلا القليل كم سفرنا وكم فعلنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من لم يحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابسة أو سلطان جائر ولم يحج فليموت يهوديا أو نصراني رواه ابن ماجه. Alors je disais, cette personne qui est en train de mourir, elle dit, oh Allah, fais-moi revenir dans ce bas monde, que je fasse des bonnes actions parmi celles que j'ai laissées. Ça, c'est le croyant. Et je dis, parmi les bonnes actions qui ont été délaissées par beaucoup, c'est le hajj. Le hajj, il a été délaissé par beaucoup. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites le hajj avant que vous soyez empêchés de le faire. Empêcher, ça peut être pour beaucoup d'asbab, ça peut être le coronavirus, ça peut être 5000 euros, 6000 euros pour le hajj. Faites le hajj avant que vous soyez empêché. Ça peut être empêché par siha, parce que pour le hajj, il faut la santé. C'est pas rigolo le hajj, c'est pas facile. Il faut une santé. Donc il a dit, faites-le dès que vous pouvez. Le premier projet dans ta vie, dès que tu as un peu d'argent, c'est le hajj. Tu as fait les 5 piliers, tu es tranquille pour le reste de ta vie. Et la personne, elle dit, avant, les gens, ils disaient beaucoup, quand j'aurai 60 ans, je vais faire le hajj, à la fin de ma vie. Alesh, elle dit comme ça, ça va effacer tous les péchés d'avant. Hein? El hajj mabrour, les salahu jaza, illa al janna, ou el hajj mabrour, yurfar lahu biha zunouba. Alors, les gens, ils disaient, quand je serai au bout, quand j'aurai bien ramassé les péchés, après, je vais faire nettoyage, grand nettoyage. Yadhak ma Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à là-bas? Hein? Combien d'entre nous ils sont partis alors qu'ils avaient encore des projets? Il a dit, j'ai pas fini le deuxième étage de la maison. Comment je vais partir au hajj? La maison, elle est restée et lui, il est parti. Combien d'entre nous, on a construit des maisons, des belles maisons. Ici, il vit dans un F3 ou la F4. Ou la... Mais au bled, Allah Akbar, au bled, il a un palace. Moi, j'ai visité quelques pays, je ne vais pas dire les pays, sinon ils vont dire qu'ils nous attaquent. J'ai visité quelques pays, la hawla wa la quwwata illa billah. Ah, les vraies maisons, hein, les qasr. Même les présidents d'ici, ils n'ont pas ça là-bas. Ah, y a du marbre partout. Tu vois ton visage sur tous les murs. La deuxième, troisième étage, il y a le stah aussi. Et il y a le jardin aussi. Et il y a encore un business encore. Mais le hajj, il n'a pas fait. Et combien d'entre nous, on a acheté des voitures 2020, modèle 2020. Mais le hajj, mazel, il reste du temps encore. C'est pas la priorité. Il y en a, ils ont fait des mariages aussi. Des mariages de princes. Ah. Il a pris costume avec les dettes. Location de la voiture avec les dettes.
garantie pour la location de la voiture, dette. La salle aussi, dette. Le traiteur, dette. Les cafetans, dette. L'or et l'argent, dette. DJ Derbouka, dette. Il a rentré dans le mariage avec des dettes. Même des années après avoir fini le mariage, il n'a pas fini de payer encore. Après un jour, il regarde sa femme et dit, Bint el Hajj, elle m'a coûté cher, hein. Et elle le regarde et dit, tu penses à moi? Il dit, ah, je pense beaucoup à toi-même. Le banquier aussi, il pense à toi. Et il n'a pas fait le Hajj. Enfin, c'est pour ça que le prophète sallam dit dans son hadith, apporté par Ibn Majah, il dit, celui qui n'a pas été empêché par un besoin clair, c'est-à-dire quelque chose de grave, quelque chose qui est vraiment évident, lui ne peut pas voyager. Ou par une maladie qui l'empêche de bouger. Ou par un gouverneur qui est injuste et tyran, qui risque de lui faire du mal, lui ou à sa famille. Celui qui n'a pas été empêché par une de ces trois choses et qui n'a pas fait le hajj, alors il n'a qu'à choisir de mourir juif ou chrétien. C'est lui qui a le choix. Et vous savez, le Coran, il va avec les hadiths. Les hadiths, il va avec le Coran. Ce que tu trouves dans le hadith authentique, tu vas le trouver aussi dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran? Inna awwala baytin wudiya lin-nas lil-ladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Dans sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la première maison qui a été établie sur terre pour l'adoration du Dieu unique, c'est celle qui est à la Mecque. Bibakkata, elle est bénite. Et c'est un signe pour le monde entier. Il y a là-bas des signes clairs. L'endroit où Ibrahim alayhi salam il s'est tenu. Et celui qui rentre dans cette ville-là, il est en paix. Et il est obligatoire pour les gens de faire le hajj pour celui qui peut y arriver. Et celui qui mécroit, qui n'est pas croyant, alors Allah il se passe du monde entier. Donc ça vient comme le hadith. Si tu n'as pas fait le hajj alors que tu en avais la possibilité, le Coran il dit mécréant, Oman kafara, fa'inna Allah ghaniyun 'alina 'alamin. Et le hadith il dit yahoudiyan wa nasraniya. A kulli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda was salat was salam ala man la nabiyya ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala هذه الأيام عشر الأول من ذو الحجة من أفضل الأيام حتى قيل في تفسير القرآن أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهن والفجر وليال عشر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الصحيح أن لا يوجد أيام الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بماله ونفسه ولم يعود ولم يرجع بأي أحد منهم فالمطلوب منا أن نكون حريص على الخير كما يريده ديننا كما يريده ربنا كما يريده نبينا صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الجنة ويقول أيضا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أي من خاف أدلج أي من خاف أن لا يكفيه أعماله يوم القيامة أدلج خرج مبكرا أي جمع أكثر من المطلوب وزاد في النوافل وتطوع ومن أدلج بلغ المنزلة ومن قام بمثل ذلك يبلغ مقصده إن شاء الله تبارك وتعالى ألا انتبهوا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم كلا فعلى كل واحد منا
في هذه الأيام أن يجتهد، ومن أفضل الأعمال أن يصوم. قيل من بعض العلماء التفسير أن في الحديث جاء الصيام لي وأنا أجزي به، أن الصيام لله سبحانه وتعالى وليس لك، لله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة لما يأتي الخاصمون والذين كان لهم حق عليك ليأخذون من أعمالك، فيأخذون ولا يقدرون أن ينقصوا من صيامك، لأن بقيت الأعمال لك، أما الصيام لله سبحانه وتعالى. فإن أخذوا كل شيء يبقى الصيام لك، والصيام جنة، أي جنة من النار، وجنة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وجنة من الشيطان، وجنة من الشهوات. فليصم الذي قدر على ذلك، وإن لم يقدر على ذلك فليرغب من يصم من أقربائه، لأن الدائل على الخير كفاعله، وإن لم يقدر على ذلك فليتصدق. وأقل قليل يصم التاسع من شهرنا هذا يوم عرفة، لأن صائمها يغفر له سنتين من ذنوبه. ويكثر من الأعمال والصلوات، لأن الله سبحانه وتعالى خصص فيه الذكر. Alors je disais, là on est rentré dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et c'est des jours qui sont aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit parmi les explications du Coran que quand Allah il jure dans Surat al-Fajr, l'aube, et par les 10 nuits, il parle des 10 nuits de Dhul Hijjah ou des 10 premières journées dans lesquelles on est. C'est des journées qui ont beaucoup de valeur. Et il est expliqué que les nuits qui ont le plus de valeur dans l'année, ce sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Mais les journées qui ont le plus de valeur dans l'année, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah il aime beaucoup les bonnes actions qui sont faites dans ces 10 premiers jours, plus que n'importe quelle bonne action. Ils ont dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas même la sortie dans la voie d'Allah, parce que les sahaba ils avaient compris que le fait de sortir dans la voie d'Allah pour transmettre la religion et pour que les gens rentrent dans l'islam, c'était la meilleure des actions. Il a dit, pas même la sortie dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf quelqu'un qui est sorti avec sa vie et ses biens et qui n'est pas revenu. Et donc dans ces 10 jours, il faut augmenter les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui a peur de ne pas arriver à bon port, qui a peur de ne pas arriver là où il veut aller, alors il part, il sort de bonne heure. Si l'avion il est à 9h, tu ne vas pas sortir à 8h30 de la maison. Tu pars de bonne heure. Et celui qui part de bonne heure, il arrive en tranquillité, il arrive dans son objectif. Attention, la marchandise d'Allah, elle est chère. Attention, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Ce n'est pas donné comme ça, ce n'est pas gratuit. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Le paradis il a été entouré de choses détestables pour l'âme, et l'enfer il a été entouré de choses que l'âme elle aime bien, les passions. Allah quand il a fabriqué et créé l'enfer, c'est mieux de ne pas envoyer de messages pendant le khutba, sinon ça annule le khutba. ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Celui qui touche les pierres pendant le jumu'ah, il a commis une frivolité. Et celui qui a commis ça, il n'a pas la récompense du jumu'ah. Donc c'est mieux, on touche à rien, inshallah. Parce qu'on est considéré dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on fait 2 rak'at alors que Dhuhr, c'est 4 rak'at? C'est parce que l'assise avec les 2 khutbah où l'imam il s'assoit 2 fois, là, c'est considéré 2 rak'at. Donc là, vous êtes en prière et nous aussi, on est en prière. Donc on essaye de ne pas se faire distraire, inshallah. Alors je disais que celui qui sort de bonheur, bi'idhnillah, il arrive à son objectif, il arrive vers le paradis. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens du hadith, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset du Coran, est-ce qu'ils pensent tous qu'ils vont rentrer dans le jardin des délices? Qu'Allah, c'est pas possible. Alors celui qui va fournir l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter. Le jour où Allah il a créé l'enfer, il a dit à Jibril, va regarder. Le jour où Allah il a créé le paradis, Allah a dit, va regarder le paradis. Jibril, il est parti, il est revenu. Il a dit à Allah, « Kullu man yasma'u anil janna, yatma'u an yadkhulu fiha. » Fi ma'na al-kalam. Que toute personne qui va entendre parler du paradis voudra rentrer dedans. Et Allah, il a créé l'enfer, il a dit, va regarder l'enfer.
Quand il a vu, il a dit, ya Allah, je pense que chaque personne qui va entendre parler de l'enfer, il va tout faire pour la fuir. Après, Allah, il a mis autour du paradis les désagréments, les choses qui sont difficiles pour le nefs. Bab al-Siyam, la porte du jeûne. Le nefs, il n'aime pas jeûner, surtout dans les journées d'été, là, 16 heures de jeûne, il n'est pas d'accord. Le Bab al-Salat, le nefs, il n'aime pas prier. Il dit Salat Soub à 4 heures. Je viens de dormir après l'Aïcha à minuit. Ça fait une nuit courte. Nefs n'aime pas donner la zakat. Il dit, c'est obligé de donner la zakat là. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Nefs, il n'aime pas le hajj. Il n'aime pas la sortie dans le chemin d'Allah ce matin-là. Il n'aime pas écouter, obéir les parents. Il n'aime pas husnul khuluq, il n'aime pas duha. Donc Allah, il a mis ses portes qui ramènent vers le paradis. Quand Jibril est parti regarder, il a dit, je pense que personne ne va rentrer dedans. Après, là, il a mis les shahwat, les envies qui ramènent vers l'enfer. Quand Jibril l'a vu, il a dit, je pense qu'ils vont tous rentrer dedans. Et donc, dans ces 10 jours, il faut essayer de jeûner. C'est parmi les actions qu'Allah aime le plus. Et parmi les explications qui ont été dites du jeûne, c'est qu'au jour du jugement, toutes les personnes à qui tu devais quelque chose, un droit, que ce soit de l'argent, que ce soit une parole que tu as dit avec distraction à leur sujet, tu as dit l'autre là, sa tête elle est grande, ou l'autre son nez il est comme ça. Et c'est vrai que son nez il est comme ça, mais tu ne devais pas le dire. Au jour du jugement, il sera goudamak, il sera devant toi. Ah, mon nez il est comme ça, c'est moi qui ai fabriqué mon nez. Donne-moi de tes hasanat. Et donc, toutes ces personnes elles vont se présenter pour ramasser dans tes bonnes actions. Et il est dit que toutes les bonnes actions c'est pour toi. Kullu amal bani Adam, lahu. Toutes ces bonnes actions c'est pour toi. Illa siyam. Sauf le jeûne, c'est pour Allah et c'est moi qui récompense pour. Et il est dit donc qu'à ce moment-là, eux ils pourront vider tes bonnes actions et que le siyam, peut-être qu'il ne sera pas touché. Wallahu a'lamu wa afhamu bil amr. Et donc, le jeûne, c'est une protection, le prophète sallam dit dans le hadith. C'est une protection contre l'enfer, c'est une protection contre les envies. C'est une protection contre Shaitan et les shayatines, les djinns. Quand tu jeûnes, ça te donne plus de force contre les djinns. Et c'est une protection contre les péchés. Vous avez vu, quand quelqu'un il a faim, il est moins incité ou motivé pour faire le péché. Il est déjà fatigué. Même il voit le péché, il dit, pas maintenant parce que je n'ai pas la force. Donc on doit essayer de jeûner dans ces 10 jours-là. Et celui qui n'a pas la force de jeûner, il motive, il incite quelqu'un à jeûner. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui appelle vers un bien, c'est comme si lui-même, il l'avait fait. Et si tu ne peux pas, tu donnes des aumônes. Parce que ce sera encore plus récompensé dans ces jours-là. Et au minimum, le 9e jour, le jour de Arafat, tu essayes de jeûner. Parce que c'est un jour où celui qui le jeûne, ses péchés de l'année, de 2 années, ils sont passés, ils sont pardonnés. De l'année en cours et de l'année passée, ils sont pardonnés. Donc on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'être parmi les gens qui sont réveillés et qui profitent de ces jours-là. Wa kadhalik, chacun d'entre nous, il doit avoir dans son cœur la valeur pour la maison sacrée. Dans un hadith, il est dit, celui juste qui regarde la Kaaba, il a les récompenses, c'est une adoration. Juste tu regardes la Kaaba. Et quand tu rentres à la Mecque, les bonnes actions, elles sont multipliées par 100 000. Les bonnes actions. La salat, là-bas, 100 000. Et de la même manière, quand tu vas embrasser la pierre noire, dans El-Mishkat, il est dit que celui qui embrasse la pierre noire, au jour du jugement, la pierre noire, Allah va lui donner une langue pour témoigner pour qui il a embrassé. Sans pousser les gens, bien sûr. Et que celui qui embrasse la pierre noire, c'est comme s'il a embrassé les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith. Et aussi, celui qui touche le ruqn yamani, c'est l'autre côté de la pierre noire, 70 anges font doa pour lui. Et ta doa, elle sera acceptée. C'est pour ça que dès que tu touches le ruqn yamani, tu dois répéter Rabbana, atina fi dunya hasana, wa fi l'akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Et entre la pierre noire et la porte, il y a ce qu'on appelle el-multazim.
C'est un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de coller son torse et faire doa. La doa, il a accepté à cet endroit-là. Wal Hijr Ismaïl, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la Kaaba avant était plus grande. Et quand elle a été détruite, les Arabes, ils ont voulu la reconstruire. Et Allah, alhamahum, il a mis dans leur cœur, il faut qu'on reconstruise la maison d'Allah qu'avec de l'argent halal. Et eux, ils n'avaient pas beaucoup d'argent halal. Ils avaient beaucoup de riba et d'argent du vol, etc. Alors, quand ils l'ont reconstruite plus petite que la taille qu'elle avait à l'époque d'Ibrahim, alayhi salam. Et ils ont laissé le hijr, l'endroit où il y a le rebord blanc, là, ils ont laissé ça à l'extérieur. Le prophète, alayhi salam, dit, celui qui fait deux raka'at là-bas, c'est comme s'il a prié dans la Mecque, dans la Kaaba. Celui qui fait deux raka'at dans Hijr Ismaïl, kanna usalla fil Kaaba. Et de la même manière, quand tu arrives là-bas, tu bois l'eau de Zemzem. Le prophète sallam dit Zemzem lima shuribala, avec l'intention avec laquelle tu la bois, si cette intention elle est sincère, elle est forte, Allah subhanahu wa ta'ala il réalise cette intention. Si c'est shifa, la guérison, si c'est l'ilm, si c'est l'rina, la richesse, la science, tu bois avec cette intention forte, Allah subhanahu wa ta'ala il te donne. Et le hajj, c'est une cause d'enrichissement. Liyashhadu manafi'a lahum, pour qu'ils témoignent de bienfaits pour eux. Tu vas là-bas, c'est une cause d'enrichissement. Et sur ça, on a beaucoup d'exemples. L'histoire de l'imam al-Bazzar, si Allah nous prête longue vie, on expliquera son histoire. Et de la même manière, al-Madina, le prophète sallam l'a fait du'a, Allahumma ja'al fil Madina di'af, di'afay al-baraka allati ja'alta fi Mecca. Oh Allah, mets à Medina le double de la baraka que tu as mis à la Mecque. Et chaque personne qui part à Médina, il se sent bien là-bas. Il sent qu'il y a quelque chose de spécial dans la proximité, le voisinage du meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et les prières là-bas, elles sont multipliées aussi. Enfin, chacun d'entre nous, on doit se dépêcher pour y aller. Dès qu'il y a la possibilité, il faut se dépêcher. Il ne faut pas retarder. Et il y a le Eid qui arrive. Il faut faire vivre le Eid à nous et à nos enfants. Il ne faut pas que ce soit un jour comme les autres, sinon tu manques du respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit, ce jour-là, vous devez être joyeux. On doit être joyeux. Si Allah il dit, tu dois être en colère pour ceci, tu dois être en colère. Si Allah il dit, donne maintenant, tu dois donner. Ne donne pas maintenant, tu ne donnes pas. Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala l'iman. Celui qui aime pour Allah, il déteste pour Allah, il donne pour Allah, il prive pour Allah, il a complété la foi. Donc, le Eid, Allah dit, vous devez être joyeux. Alors, on doit être joyeux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué qu'il faut faire revivre le sacrifice. Abaradhanoum, ils ont dit, pourquoi on sacrifie, ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est pour faire revivre la sunnah de votre père, Ibrahim, alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on a de récompense pour le sacrifice? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, reste à côté de la bête, dès que son sang, il sort. Tes péchés sont pardonnés, ya Fatima. Et il a dit, pour chaque poil, vous avez une hasanat. Ils ont dit, mais si c'est de la laine. Il a dit, pour chaque laine, vous avez une hasanat de la bête. Et au jour du jugement, la bête, elle viendra en entière, avec ses cornes, avec sa peau, avec son sang, et elle va s'asseoir, fi mizan hasanatik, dans la balance de tes bonnes actions. Et le prophète Hassan l'a expliqué, les da'ni, pour tout ce qui est mouton, ma aufa sana awqarabaha, ce qui a dépassé un an ou qui est proche de un an. Et pour le maïs, ma aufa sana wa dakhala fi thaniya, qui a dépassé un an et qui rentre dans la deuxième année. Walil baqar, pour les vaches, ma aufa sanatayn wa dakhala fi thalitha, qui a dépassé 2 ans et qui rentre dans la troisième. Et pour les chameaux, al ibil, ma aufa arba'a sanawat wa dakhala fi al-khamisa, qui a dépassé 4 ans. Et qui rentre dans la cinquième. Et quand il y avait des pauvres, à l'époque du prophète, sallam, il a sacrifié un chameau pour 7 personnes. Donc si 7 personnes veulent se réunir autour d'une vache ou un chameau, fala abes. Et si une personne elle veut faire un chameau, fala abes. Et si c'est 4 personnes, fala abes. Mais il faut faire revivre le sacrifice. Et il faut rentrer dans le cœur de tes enfants l'amour de la fête. Parce que dans leur cœur, il y a l'amour de l'anniversaire. Il y a l'amour de Halloween. Il y a l'amour de Euro Disney et toutes ces choses. Fais rentrer dans leur cœur l'amour de la fête. Offre-leur des cadeaux. Mets des ballons à la maison. Mets des bonbons. Fais-leur comprendre qu'il y a une fête aujourd'hui. Et ils te demandent pourquoi. Et tu dis c'est la fête de l'Aïd. Il faut être content, il faut être joyeux aujourd'hui.
Mais si toi, tu ne le fais pas, tu as coupé la sunna qui est venue à toi, tu ne l'as pas fait transmettre à tes enfants. Il y en a, ils disent, oh, c'est la France, quand on va aller au bled, c'est là-bas la fête. Ici, ce n'est pas la fête. C'est qui t'a dit ça? Tu dois faire vivre la sunna que tes parents t'ont transmise de la fête et que tes enfants aussi vivent cette fête-là. Et qu'ils soient heureux et qu'ils te demandent, papa, c'est quand l'Aïd? On a vraiment aimé le dernier Aïd. Ça, c'est ta responsabilité de faire rentrer ça dans leur cœur. Et le jour de la fête, le prophète sallam a dit, faites venir les hommes, faites venir les femmes. Ils ont dit, Wal-mustahidda, celle qui a ses règles, ses menstrues, il a dit, faites-les venir. Et idéalement, on prie dans un terrain. Qu'Allah une fois arrivé à cette sunna-là. Et il fait venir les enfants, le prophète sallam dit, mettez les meilleurs des vêtements, que je ne vois pas un d'entre nous habillé comme s'il allait au garage ou comme s'il allait faire un footing. C'est le jour de l'Eid, et le prophète sallam dit, le meilleur de vos vêtements, c'est le blanc, mettez du blanc. Le jour de l'Eid, tu dois être bien habillé. Et dit, tu viens par un chemin et tu pars par un autre chemin. D'autres anges vont être témoins pour toi. Et on se donne les salutations et on se félicite. Et le prophète sallam, il avait l'habitude de ne pas manger le matin de l'Eid jusqu'à aller sacrifier la bête. Et la première des choses qu'il mange, c'est le kebda, c'est le foie de la bête. Enfin, toutes ces sunnas, on les met devant nous. Et la khutbah, on la répète entre nous. Parce qu'il y en a qui ont compris une partie, il y en a qui ont compris une autre. On se partage les informations pour essayer de d'attraper tout ce qui a été dit dedans. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذه الأيام ويجعلنا من المقبولين ويجعلنا من المغفورين يوم القيامة من الآمنين ومن النار مزحزحين ويجعلنا من الذين ينفقون في سبيله ومن الصائمين ومن المصلين اللهم اجعلنا من المقبولين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا حلف بين قلوبنا واستر عوراتنا وأمن روحاتنا وبارك لنا في أيامنا ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم قوموا إلى صلاتكم راشدين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استعوا واعتدلوا وتراصوا استعوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. اللهم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.